Bonjour et bienvenue pour cette 16e partie du challenge sans bébé. Donc maintenant on va chercher le nouveau papa, je vais aller au parc Magnolia pour ça. Nous allons trouver le papa du bébé numéro 17. Et oui déjà le numéro 17. Allez, on est parti. Mais bon, on n'est même pas à la moitié encore. On se dépêche, on trouve le papa, on fait le bébé et puis après je vous retrouve de suite pour le reste. Donc pour l'instant j'ai 4 enfants dont un bébé à la maison. Donc après ça, il va falloir vite que je les fasse passer ados et surtout jeune adulte qu'ils puissent partir pour que je puisse avoir du monde parce que il faut laisser de la place aux Sims. Bébé pour ce challenge. Allez en avant pour la recherche du papa, on est au parc. Les enfants sont partis à l'école et mon petit bébé est à la garderie. Donc regardons ce matin parce qu'il est 8h, qui c'est qu'il y a au parc? Bah, il y a Patrick, donc on va se présenter à Patrick. Allez. Oui, on va déjà la faire venir jusqu'ici. Voilà. Donc, voilà, on ne se connaît pas encore. Bonjour, cher monsieur. Vous ne le savez pas encore, mais vous allez être le papa de mon prochain bébé. Vous n'êtes pas très très beau, mais bon, hein, c'est un cher, hein, il n'y peut rien. Donc, on va commencer par Charvet, parce qu'il est toujours beaucoup plus simple pour ce challenge. Bah, après ce qu'on prend 850, on peut pas acheter grand-chose. Hop! Ah, voilà. Alors, moi, j'ai envie d'embrasser quelqu'un. Par contre, ça va être difficile de l'embrasser le départ. Hein. Donc, on fait ma super technique de drague, qui fait monter en 10 secondes, bien sûr. Torque Yay boo, crew. Two guys. Oh. Fruma. Voilà. Chabé. Sweat. Clark. Oh, oh. Voilà. Il est très enjôleur, je suis très intéressé réciproquement quand c'est un petit peu tôt pour un bisou. Hein. Oh. On va continuer. Voilà, tout en haut, ça commence. Sweat. Clark. Voilà, donc là, ben, on va essayer de l'embrasser. Donc on va essayer de faire premier baiser. Oh. On regarde ce premier baiser. Wow, biche. Ah, allez, ce premier baiser. Super. Hein. Donc maintenant, on va faire une relation sérieuse. Habery. J'ai déjà un petit crac-crac. Donc le souci, c'est que on n'est pas encore à la maison. Donc maintenant qu'on a rencontré ce papa, voilà, le prend un peu sexy. On va rentrer à la maison. On va l'appeler pour qu'il vienne faire crac-crac. Parce que je pense pas que je puisse lui demander de venir avec moi à la maison. Plus de choix proposé, non. Plus de choix. Yaba, zinks apenoi. J'embrasse, là c'est bien appelé. Alors je rentre à la maison et je l'appelle de suite. Allez, on y va, pour qu'il vienne, pour qu'il me rejoigne à la maison. J'espère qu'il va pas faire que pêcher. Allez, regardons ça de suite. Allez voir à la maison, j'ai le bébé qui est là, qui a pas encore grandi, c'est bientôt son anniversaire, c'est Nathalie. Charge le petit PC. On n'a pas que ça à faire, on a des bébés à fabriquer. Allez, hop, 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 on va faire nos bébés. Vite, vite, vite. Allez, voilà, nous voilà à la maison. Bon, j'ai le bébé qui est pas tout à fait content, mais c'est pas grave. Alors, il est là, Patrick Morin, qu'on demande à venir sur. Donc, on va aller voir le bébé. Parce que c'est pour le nourrir. Donc j'espère que Patrick peut venir. Ouais, Patrick va arriver. On va vite aller s'occuper du bébé. Voilà, Patrick est là. Donc on l'invite à rentrer. Vous voyez, vous l'avez envie de faire crac-crac aussi, mais moi aussi. Et donc le bébé est nourri, donc il est au calme. Donc on l'invite à rentrer. Et puis vous savez quoi, moi je suis comme ça. On l'invite à rentrer, il lui faut faire un bébé. On va faire un bébé, hein. Oh, la musique qui est douce. Allez, allez, hop, 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 on va faire ce bébé.
Le bébé il dort aussi. Donc venant dans mon petite chambre tamisée là. Voilà, là. Le stick il va passer. Hein. Le bébé il dort, c'est parfait. Hop, on a eu notre feu d'artifice. Donc on va faire notre test de grossesse. Hein. Parce que bon, si c'est pas positif, et ben. On va faire crac crac. Ah oh, bah je suis enceinte. Ouah, c'est merveilleux, j'ai. Sim, c'est merveilleux. Donc, on va demander de partir, bien sûr. Je me souviens jamais où c'est que c'est. Pardon. Hein. Demander de partir, il était là, il était caché. Voilà, je suis grosse comme une patate, vous voyez. Hop, hop, hop. Et un bébé. Donc, je vais vous laisser là, et puis je vais vous reprendre au moment de sa naissance, parce qu'entre, c'est pas toujours ce qui est le plus sympa. Donc, je vous dis à très vite de suite. Alors, je vous reprends parce que nous sommes en train d'accoucher. Donc, on va avoir un bébé ici. Voilà. Hop, hop, hop. Je vous reprends pour tout accouchement. Pour savoir si on allait avoir un seul bébé, des jumeaux ou des triplés. J'aimerais bien avoir des triplés. Ça serait bien. Ça serait la première fois que j'en ai parce que j'ai des paires de jumeaux, mais j'ai pas eu les triplés encore. Donc voilà. On va passer devant le rose. Alors, est-ce que je vais avoir une fille ou pas hein. Parce que vous avez vu, j'ai un rose, un bleu et un vert. Donc on va voir ce que je vais avoir, c'est la loterie, hein, en espérant que j'ai des jumeaux ou des triplés. Des triplés, ça serait très très bien. Alors déjà j'ai une fille, hein, donc on va faire l'aléatoire, elle s'appelle Axel. Hop, donc on a Axel. Donc je n'ai qu'un bébé, Axel, qui nous a rejoint pour finir cette petite émission. Donc je vous rejoins très vite pour avoir trouvé le futur papa et bien sûr l'accouchement du prochain bébé. Donc à très vite pour le prochain épisode et puis peut-être que les grands enfants ont... les enfants auront grandi parce que là on commence à être déjà 2, 4, 6 donc je n'ai plus de place que pour 2 donc il va falloir grandir. Donc je vous dis à très vite.